On a réussi à localiser un signal dans la mer numérique. Jérémy, droit devant, une sorte de corset, comme Yoko, mais bizarre. Einstein a trouvé son maître. C'est qui? Laura Gauthier, la nouvelle sur deux avec un journal de classe. Non, mais pour qui elle se prend, elle? A égale G multiplié par... multiplié par R. Non, désolé, j'ai oublié la masse. Donc ça fait A égale Laura. Donc je pose A est égal à la masse S multipliée par R au carré, ce qui me donne avec les valeurs racine de 6,67 multiplié par 10 puissance moins 11, le tout multiplié. Et on a donc un résultat de 29,7 km par seconde. Bah vas-y Einstein, fais pas la gueule. C'est pas si grave de se faire humilier devant sa copine. Odd. N'écoute pas, Jérémy. Tu sais, le nombre de neurones, c'est assez important. Si, c'est important. De toute façon, l'exercice était facile. J'ai juste eu un trou de mémoire. Ouais, ça explique tout. Hein. Odd, ça fait une semaine que je bosse à programmer le véhicule virtuel qui doit vous permettre de retourner sur le cortex sans vous faire écrabouiller. Hé, hey, vous parlez de quoi? J'ai entendu que t'avais programmé un véhicule virtuel dans le cortex. Et un nouveau jeu en ligne, c'est ça? Ouais, on est en train de le mettre au point. J'en étais sûre. J'adore les jeux vidéo. Enfin, pas les jouer, ça me gave. Mais les programmer, ouais. Je suis fan d'informatique. Bah d'ailleurs, j'adore toutes les matières scientifiques. Comme toi, en fait. Sauf que moi, je me plante pas sur des exercices hyper faciles. Bon, on se voit à CDI? Non, mais pour qui elle se prend, elle? Génial. Un Jérémy version fille. Il va falloir t'y habituer, Elita. T'es plus la seule, Madame Einstein. Salut. Hey. Salut. Oula, ça va pas, toi? Laisse-moi deviner. T'as oublié une virgule, un exercice. Ouais, c'est presque ça. Einstein a trouvé son maître. C'est qui? Laura Gauthier. La nouvelle sur deux avec un journal de classe. Bon, on peut parler d'autre chose, non? Du cortex, par exemple. T'as du nouveau? Ouais, j'ai récupéré pas mal de données la dernière fois. Vous vous souvenez que les réplicas ont été créés par Xanas sous le modèle de Yoko? Ouais, à partir des codes que mon père m'avait confiés. Exactement. Bah, au début, j'ai cru la même chose. Que Xanas les avait créés autour de lui, comme une sorte de matrice, quoi. Mais c'est pas ça? Non. Le cortex existait avant la renaissance de Xanas. Je suis sûr qu'il a été créé par un autre ordinateur quantique. Enfin, différent du nôtre, je veux dire. Un autre ordinateur quantique? Et qui l'a mis au point? Mon père? Pour l'instant, on peut pas savoir si Franz Hopper est impliqué. Pourtant, j'ai vu une photo de lui quand j'étais dans le cœur du cortex. Il n'y a qu'un moyen d'en être sûr. Vous êtes prêts à retourner là-bas ce soir? Ok. Ah, Jérémy! Je te cherchais. Tu vas travailler sur ton jeu? On peut pas me cacher, hein. Enfin, c'est pas encore au point, mais il y a encore pas mal de boulot. En tout cas, comme je te disais, si t'as besoin d'aide, je suis super bonne. En informatique. C'est gentil, Laura, mais c'est top secret, tu vois. Faudrait pas qu'on nous pique l'idée. Ok. Incroyable. C'est la deuxième fois qu'elle t'adresse la parole en une journée. À mon avis, elle est amoureuse, hein. Ou alors, elle est super fouineuse. Transfert Odd. Transfert Aelita. Scanner Odd. Scanner Aelita. Virtualisation. Je
Cédric, arrêt pour le transfert. Scanner Yumi. Scanner Ulrich. Virtualisation. Tu fais partie de la bande à Jérémy Bellepoix, toi, non? Ça dépend des jours. T'es au courant pour leur projet? Quel projet? Ils m'ont dit qu'ils travaillaient sur un jeu en ligne, un truc ultra secret. Et je les ai vus partir tout à l'heure au fond du parc, ils avaient l'air pressés. Ah ouais? Et si toi, tu leur parlais de moi, tu penses que je pourrais être dans le coup? Non, c'est top secret. Parfait. Dirige-toi vers le 16 d'entrée. Je vous ouvre. Ok. Votre nouveau taxi. Wow. Ah ouais, mortel. Je vous présente le méga véhicule multipode roulant articulé sphéroïde tecto-compatible cortexien. Et t'avais pas plus compliqué comme nom? Pourquoi tu trouves ça trop facile à retenir? Et qui est-ce qui va le piloter? Moi! Je l'ai dit en premier! Ce sera Yumi. Et ouais, désolé les gars. Mais pourquoi? C'est la seule qui a rien demandé. Elle est en route. Pourquoi c'est toujours les filles qui pilotent les trucs cool? Odd, tu viens? Tu vas voir Yumi, c'est super simple à conduire. Ça se dirige comme les véhicules de Galactic Destructor. Mais j'y ai jamais joué, moi, à Galactic Destructor. T'inquiète pas, c'est instinctif. Et mon véhicule est programmé pour s'adapter automatiquement au mouvement de terrain. Si tu le dis. Si tu veux, on peut échanger de place, hein. Moi, je suis hyper bon à Galactic Destructor. Accrochez-vous. Je vais être malade. J'espère que t'as prévu des sacs à vomi, Jérémy. C'est parti. Attention, Yumi. J'avais dit que ton mégapode machin s'adaptait automatiquement à tous les mouvements de terrain.
Megav est tu multipode. Et oui, il s'adapte, mais il faut quand même anticiper un minimum. On peut changer de chauffeur si vous voulez. Ça va, Odd. Si tu crois que c'est facile, tu te trompes. William, préviens-moi quand t'arrives. Chaque fois, tu me files les jetons. Et toi, préviens quand t'envoies les autres sur Lyoko. Vous me faites toujours pas confiance, c'est ça? Je vous ai pas sauvé la mise la dernière fois? Ok, je t'ai dit qu'on allait en parler, mais là, on est hyper pressé, t'as vu? Oui, c'est ça. Et la prochaine fois, ce sera autre chose. Mais peut-être. On en reparlera plus tard. Quand les autres seront rentrés, par exemple. Marjo, il bouge trop. Souci. J'étais en train de repenser à mon père. Et si c'était vraiment de sa faute si Xana était revenue? Aïta, ton père n'est sûrement pas responsable du retour de Xana. Il est... Enfin, je veux dire... Je sais, il a disparu. Définitivement. Mais j'ai l'impression que je vais découvrir la vérité assez vite. Non, pas tout de suite, malheureusement. Le problème, c'est que j'ai mal calculé mon cap. On va devoir faire le tour du noyau pour accéder à la porte. Bah vous voyez, si j'avais été au volant, je... Odd, boucle-la, s'il te plaît. Ne jamais la contrarier quand elle conduit. La ferme. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez de la visite. C'est ce qui manque à ton mégapode, Einstein. Un canon. Par mégapode, ça s'appelle... Oh, vous laisse tomber. La prochaine fois, je mettrai un canon dans tes souliers. Pour l'instant, Aïlita, Ulrich et toi, vous allez vous battre à l'ancienne. Enfin un peu d'action! Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? T'as fait bugger le programme. Je vais te sortir de là. Ah, tout est bloqué, Mich. William, je t'ai déjà dit que tu dois... Thank you.
vous laisse vous débrouiller. J'ai un truc à vérifier. Ouais, je vois que vous pouvez pas vous débrouiller sans moi. Ah. Jérémy, t'en es où? Excuse-moi, Yumi. Il arrive un truc renversant. Ça, c'est sûr. Je te le fais pas dire. Yumi est coincée dans le mégapode. Empêchez les crabes de l'envoyer vers la mer numérique. Ça serait un aller simple vers le néant. C'est pas vraiment un jeu vidéo, hein. On peut rien cacher. Tes potes sont là-dedans? Plus ou moins. C'est un ordinateur quantique. C'est autant que ça. Jamie, je commence à me sentir un peu seule ici. Je sais. Excuse-moi, Yumi, mais j'ai pas quatre bras. Bah moi je crois que si, au contraire. Mais écoute, je sais pas à quoi ça sert ce truc, mais ta copine elle a l'air en danger. Donc si t'as besoin d'un coup de main, bah... Jérémy, ça commence à chauffer ici. Jérémy, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ça se trouve, il est parti draguer ta copine. Tu sais, l'autre Madame Einstein. Remplace l'interface 4AA13 par la 3B6. 4AA13. Ok. Qu'est-ce que tu fais ici, Laura? Elle me file un coup de main. Maintenant, baisse le curseur en position 2. Ça devrait booster les blocs d'encodage. Ok, je prends la relève. Pas le temps, Elita. Laura est sur le coup. Ça va comme ça? Très bien, maintenant. Il faudrait chanter Circus 5221. J'aimerais toujours être à la place de Yumi? Non, je retire ce que j'ai dit. C'est un piège, cet engin. Tiens bon, Yumi! Je te laisserai pas tomber! Dépêche-toi, Laura. Oui. Vous avez toujours réussi à garder le secret jusqu'à maintenant? On va dire que certaines personnes sont plus curieuses que d'autres.
En tout cas, si je comprends bien, tu m'as sauvé la vie. Donc merci. Bah de rien. Je suis contente si j'ai pu vous aider à réussir votre mission. Non, elle est pas réussie, cette mission. C'est un fiasco total. Qu'est-ce que tu racontes? On a essayé le mégapode sur l'anneau du cortex et il fonctionne bien. J'ai même pas réussi à pénétrer dans le noyau. Tu penses pouvoir reprogrammer le mégapode rapidement? Bah, il n'est pas aussi compliqué que le skid, mais je dois améliorer le système. Installer des armes. Moi, c'est plus prudent. Ouais, Yumi a failli disparaître aujourd'hui. Pense un peu aux autres, Alita. Bon, si on décidait plutôt de ce qu'on fait avec Laura. Ouais, j'y pensais. C'est vrai qu'elle pourrait vraiment m'aider au labo quand Alita est virtualisée. Bref, soit on t'intègre dans l'équipe, soit on appuie sur un bouton, on remonte dans le temps et on efface tout. Tout? Tout. Tu ne sauras jamais ce que tu as vu ici. Au vote? Me donner la vitesse du centre d'inertie de la Terre. Je l'ai pas le droit. Je connais déjà la réponse. Non, c'est pas le moment d'être appelé, vas-y. Oui, Jérémy. Le résultat est donc 29,7 km par seconde.